Ivoirien ignore, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1. Rouen, Ange Didier. Qui est-il? Sa mère nous en parle. J'habitais à Cocody, au nid de Cocody, avec mon époux. Dans les années 90, une petite fille crève nos écrans avec un clip vidéo. Son nom, Belinda. Mais ce que les Ivoiriens ignorent, c'est que dans ce clip, qui a vu la participation de plusieurs stars du show business ivoirien de l'époque, figurait celui qui deviendra des années plus tard le numéro 1 de la musique ivoirienne. Rouen, Ange Didier. Qui est plus jeune âge, comment sa mère nous en parle. J'habitais à Cocody, au nid de l'un de ses amis d'enfance. Avec mon époux. Je peux oublier cette date, le 26 janvier 1986. De 20h30 à... j'arrive à l'hôpital. Ange Didier est né à 21h55. Né d'un père et d'une mère artistes, musiciens et chanteurs, Rouen Ange Didier, dès son plus jeune âge, commence à s'intéresser au rythme et au son. Témoignage de l'un de ses amis d'enfance. En classe de CE1, CE2, où Arafat prenait des boîtes de tomates, au moins 4 boîtes de tomates, il avait au moins 2 baguettes en main, il tapait à chaque fois. D'autres élèves venaient regarder et on prenait les goûters, souvent 10 francs, 25. On se partageait. Quand tous les petits garçons normalement demandent des voitures, des pistolets, enfin, lui demandait toujours un tam-tam. Piqué par le virus de la musique, le métier de disque jockey deviendra dès son adolescence le moyen pour lui de vivre pleinement de sa passion qui est la musique. J'ai connu DJ Arafat en 2003 au Maquis Shanghai. C'était le maquis qui faisait mouche en ce moment-là. Et j'ai découvert que ce garçon avait beaucoup de talent. Il était très précis dans ses mix. Il avait un truc qui mettait tout le monde d'accord. Quand il est sur les platines, tout le monde bouge. Et côté Atalaku, oh mon Dieu. C'est quelqu'un, c'est le gars qui commence son ambiance et puis personne ne peut rester assis en tout cas. Ce grand talent lui a finalement fait rencontrer son premier producteur, Roland Le Bengis. J'avais produit un artiste qui s'appelait Eskeli. Il faisait du Yusumba, donc il fallait un featuring. Et comme on a besoin de DJ, mon choix s'est porté sur lui. Il est rentré, il a même pas écouté ce que Eskeli a chanté. Il a chanté d'un seul trait. Et l'arrangeur m'a dit qu'il est bon. Il était avec son frère TV3. Et avec Moulokoukou, il s'est rappelé qu'il y avait un gars qu'il aimait bien, DJ, qui s'appelait Jonathan. Donc il voulait lui faire un hommage puisqu'il l'aimait bien. Il voulait chanter comme lui. Et c'est là qu'il est entré en studio, il a chanté. Et maintenant, il fallait un refrain. Et c'est là que Moulokoukou a dit pourquoi pas Maelo. Et il y a TV3 aussi qui a dit Ma Musique. Donc ça fait Maelo, Ma Musique, Maelo. C'est donc dans cette collaboration qu'est né celui que le monde entier appelle aujourd'hui DJ Arafat. Ils ont peur, champi, ça trame. Il s'appelle Champi Kilo. Hey papa, c'est euro, c'est quoi ça? Et me voir Gagamou, hein? Dès lors, il enchaîne les tubes. Pangor, Confirmation Pangor, Les Bédé, 25-25 Arachide, Bouddha et bien d'autres encore. Vous croyez que vous êtes fort, mais vous n'êtes pas fort. Je suis le plus dangereux de tous les DJ du monde entier. Arafat, il avait envie de réussir. C'est un garçon qui aime travailler, qui aime la bataille, qui aime le challenge. En effet, le succès de DJ Arafat n'est pas le fait du hasard, mais le résultat d'un travail acharné soutenu par une équipe très bien organisée appelée la Eurogang. Donc on dit Eurogang, c'est une équipe. Arafat, c'est le cerveau, en fait, c'est le moteur, le propulseur du groupe. En fait. Donc du coup, c'est lui, tantôt matin, midi, soir, il est en studio. Quand il s'ennuie, son meilleur ami, c'est les appareils. Il ne fait que créer des sons. Il peut se réveiller à 4h du matin où tout le monde dort, ou 5h. Ça dépend 3h. Il prend sa bouteille de Jack. Le studio, il travaille. Hein. Jusqu'à 6h, 5h. Ou le temps que nous, on va se réveiller, il nous appelle.
Bon, les bras, venez écouter ce qu'il fait. Si c'est bon ou c'est pas bon, vous allez me causer. Donc, du coup, quand il est inspiré, il peut créer peut-être une danse, peut-être, exemple, le pédié. Maintenant, le pédié, en créant, peut-être, il peut se lever en machin, puis il va faire une phase. Ou soit, peut-être, moi, je lui dis, ah, mais Didier, la phase que tu viens de faire, là, on dirait que c'est une bonne phase. Hein. Puis on met le son, on essaie de danser. Sur le pas de danse, c'est peu. Un peu. Quand on voit que ça colle, tranquille. Le même soir, le lendemain, il finit le son. On est dans tous les bars, tous les matins. Franchement, la Eurogang, c'est une équipe de soldats. On ne dort pas. En définitive, le petit garçon qui sautillait dans un clip vidéo des années 90, le petit disque jockey des maquis et bars de Yopougon, celui en qui personne ne croyait, est aujourd'hui devenu le maître Arafat. Non, depuis sa naissance, il y a une grâce divine qui était déjà sur cet enfant. Je ne peux que dire merci à mes fans, mais tout d'abord avant mes fans, merci à Dieu. Et voilà, il faudrait que tout le monde soit présent à ce concert-là parce que ça sera tellement historique que les gens vont péter un câble. Orange.